Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Alors, aujourd'hui, nous allons faire une recette que j'ai découverte dans un restaurant italien. C'est faire une quiche aux trois choux. Devant moi, j'ai un chou romanesco. Alors, le chou romanesco est de la famille des choux-fleurs. Mais il est comme un brocoli, comme vous voyez. Il est trop riche en soufre. Et normalement, les gens qui ont des problèmes à la digestion ne devraient pas trop le consommer. Alors, pour notre recette, nous avons besoin de ce chou romanesco qui est originaire de Rome. Alors, j'aurais besoin d'un demi-chou romanesco, d'un demi chou-fleur, mon chou-fleur est là. J'aurais aussi besoin d'un brocoli. Voyez mon petit joli bouquet de brocoli. Tous ces trois iront dans notre quiche. Et ensuite, nous aurons besoin d'un peu de viande. Vous pouvez prendre des lardons, vous pouvez mettre du saumon aussi, vous pouvez mettre des lardons, tout ce que vous voulez, du poulet, des escalopes de poulet. J'aurai besoin du persil dans ma recette, d'une pâte brisée, besoin, et 2-3 œufs. Puis de la crème, comme vous voyez, ma crème entière. Et ensuite, nous n'allons pas oublier du lait, un quart litre de lait, du sel, du poivre. Une noix de muscade. Dans un premier temps, nous allons laver les légumes avec beaucoup d'eau et du vinaigre. Nous allons couper en deux. Nous allons utiliser la moitié pour notre. On va utiliser celui-là. Celui-là. Voilà. Donc, ça, je pense qu'il faut toujours garder. Hein, ça se mange. Dans une soupe, comme ça. Faire des petits bouquets. C'est que c'est en forme de pyramide. Maintenant, nous allons découper les choux-fleurs. Toujours le même processus avec le chou-fleur. Toujours le tremper dans du vinaigre. Parce que quand ça sort directement du jardin, il peut y avoir des vers, des insectes en fait. Donc, avec le vinaigre, ça les fait fuir. Alors, je viens tout enlever. Hop.
voyez qu'il y a un petit asticot, un petit escargot. Se balade tranquillement. Alors là, il faut bien laver. Voilà, nos choux-fleurs, on va les tremper aussi. Ensuite, notre brocoli. Même processus. Puis, on va tremper. Faire des petits bouquets. Et voilà, on va toujours tremper et puis faire chauffer de l'eau, faire bouillir de l'eau et les cuire pendant pas trop, hein, moi je vais mettre 6 minutes, 6 ou 5 minutes parce que ça devait encore aller au four. Donc, allez, à tout de suite. Pendant ce temps, on s'occupe de notre bouquet de persil. Nos légumes sont prêts. Par contre, 4 à 5 minutes, c'est bon. Hein? Alors, nous allons faire. À votre goût, bien sûr. La crème.
de muscade. C'est parfait, le sel. Nickel. Tout mettre. Vous mettez autant que vous voulez. C'est aussi très bon avec le saumon. Franchement. Fait une grosse toute. On arrête là. Finalement, tout mettre. Voilà. Four. 30 minutes au four et en surveillant que ça soit bien doré. Par contre, vous pouvez saupoudrer de fromage si vous voulez. Voilà, un Turkish est cuit. J'espère que
vous allez aimer la recette. N'hésitez pas à la réaliser et laissez-moi un petit commentaire, faites un petit like et abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Alors, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.